Bonjour mademoiselle, je voudrais avoir Détroit s'il vous plaît. Oui, demandez Detroit News. Oui, c'est un journal là-bas. Et demandez là-bas monsieur Jean-Luc Godard. Oui. De la part de Fabienne. 9226280. Est-ce que vous pensez que ça va être long? Bon, d'accord, je vais attendre. Hello? You're trying. Hello? That's right. No, I'm sorry. Parfum, français. Jean-Luc Godard. Jean-Luc! Jean-Luc! Oh, I'm sorry, he's not here. Jean-Luc est parti. Partir. Oh, je passe ma vie à partir. Il y a mille façons de partir. Il y a la plus expéditive, la drogue. Et puis surtout, il y a l'amour. Ou bien les fusées, c'est aussi une façon de partir. Voilà. À la santé de la cosmonaute. Bon, mais qu'est-ce... Attends. Ou alors beaucoup plus vite. Bah... En sol, essayons, oui. Okay. Fais-moi l'introduction. Le navire chavire et je perds la mémoire. L'alouette s'arrête, je meurs sans savoir. Nous deux têtes sans tête à tourner vitement. Le rideau bientôt glissera lentement. Tu me dis ton nom, je te dis le mien. Peut-être demain, l'on se reverra au hasard. Bon, c'est un schéma, je pourrais dire. Je viens de trouver quelque chose. Je viens de penser à quelque chose, puis vous aussi. Il faut le faire beaucoup plus... c'est ça, un grand, grand silence entre chaque couplet. Après chaque refrain. Mm-hmm. Et on redémarre. Ça va devenir une chanson très belle. On recommence. L'escalier que l'on monte indiquant de la main. Ouais, c'est parce que je fais les temps forts. Ouais, alors comment l'alléger, ça? La chanson est faite comme ça. Attends, il faut que je pense à la dernière, note, au temps fort de le couler, au fond. Couper donc le navire, couper tout de suite. Prolongez pas la blanche. La blanche est sur I, hein? Toutes les I, chavire, bon, terre, moire. Pour moi, c'est trop beau. Au lieu de le continuer tout le temps. Le navire chavire et je perds.
la mémoire. L'alouette s'arrête et je meurs sans savoir. Nos deux têtes sans tête à tourner vitement. Le rideau bientôt glissera lentement. Tu me dis ton nom, je te dis le mien. Peut-être demain on se reverra au hasard. L'escalier que l'on monte indiquant de la main tous les sentiers du monde qui ne mènent à rien. Révolus les empires chimériques et fragiles. C'est moi, c'est moi. Je vais tomber. Bonjour, j'attendais ton coup de fil. Comment vas-tu? Tu vas bien? Tu n'as absolument pas peur pour ce soir? J'ai besoin que tu me rendes un certain service. Je veux des photos de toi. Ce qu'on a à l'agence, ce sont des photos plutôt un peu vieilles. Bon, ben ça, j'ai tout ça ici maintenant. Tu n'as qu'à venir les chercher. Ah, ben, veux-tu que je te les envoie? Est-ce que je peux rentrer chez toi les prendre? Ah, d'accord. Je suis là encore, moi, un petit moment. Dis, écoute, moi, j'ai un service à te demander, hein. Ah, j'essaie désespérément de rejoindre Jean-Luc. Ah, parce que tu te prends pour une petite vedette de cinéma et tu voudrais... Évidemment. Eh ben oui, enfin, Jean-Luc. Parce que moi, j'ai téléphoné partout, puis je ne le trouve pas. Alors, puis là, j'ai plus le temps, puis j'ai l'intention de... Tout de suite après le spectacle de ce soir, de prendre l'avion à New York. Alors, faudrait savoir où je peux le rejoindre. Je vais t'accorder ça, tu as été assez gentil avec moi. Vis-à-vis de vous, c'est un... Je sais pas, moi, c'est une supplication. Dès que je peux, j'arrive ou chez toi, ou au théâtre. Bon, et tu me fais signe ben avant le spectacle, peut-être. Tu me rappelles. Bon. Alors, je te remercie beaucoup. Mais non, ne me remercie pas. Je sais pas, moi, trouve autre chose de plus drôle. Et je t'embrasse. Très dramatique, là. Ouais. Le navire chavire et je perds la mémoire. L'alouette s'arrête et je meurs sans savoir. Nos deux têtes sans tête à tourner vitement. Le rideau bientôt glissera lentement. Tu me dis ton nom, je te dis le mien. Peut-être demain, l'on se reverra au hasard. Permettez. Ces yeux-là? Non, c'est à ma grand-mère. On vous a déjà dit que vous étiez belle. Non. Ah, c'est fou. C'est le premier homme que je rencontre. Est-ce que vous diriez une bouteille de champagne, par exemple? C'est quoi? Une bouteille de champagne.
Ben d'accord, commandez-la. Alors, champagne, s'il vous plaît. Vous êtes un peu étranger dans l'affaire du champagne dans une pharmacie. Ah ben. Êtes-vous heureux, cher ami? Répondez. Monsieur. Non. Ah, quelle horreur. Non, je suis marié, c'est ça la catastrophe. Avec une femme que j'aime. Bien petite. Non. Pardon. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Vous abstinez. Je suis pas une femme sucrée, je suis une femme salée. Ça, ça me plaît, tiens, ça. Je me dis une chose. Ouh. Mon Dieu, je m'en vais sur ça. Il y en a des choses dedans, hein. Merci. Je suis très, très heureuse de vous rencontrer, par exemple. Là, c'est un point. S'il y a quelque chose dans votre figure, là... Mmh. Mi-timide, mi-effronté. Oh. Une belle petite gueule, au fond. Une certaine éducation. Une belle petite gueule. Une gueule. Si j'avais un peu de temps à perdre... Vous n'avez pas de temps à perdre. Bon, des fois, oui. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez du temps à perdre? Moi, je sais exactement ce que je ferais. Moi, je le perdrais pas avec vous. Non? Moi, je sais ce que je ferais. Oui? Je vous emmènerai. Ça... Pas loin. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai déjà un chandail. Non. Non, mais je ne sais pas. On vous regarde, on a envie de... De vous toucher. toucher. Laissez-moi vous toucher, moi. Moi aussi. Alors... Je vous offre la bouteille de champagne que je vous ai... Toujours la bouteille de champagne? Ah, je dis. Eh ben, mon vieux. Une rencontre comme ça, ça n'arrive pas tous les jours. Ben, attends, pour la bouteille de champagne, je vous épargne. Ce que je vous offre, c'est mon addition. Attendez, alors, avant de prendre l'addition, vous allez prendre ce café que je vous offre en attendant de vous reconduire où vous voulez. Vous avez quel genre de voiture? J'ai pas de voiture. Oh bon. Non, bon. On fait pas du baratin à une femme sans voiture. Pas possible. Alors, je vous laisse l'addition. Ah, si vous y tenez. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. La bouteille de champagne, ce sera pour un autre jour. Recherchez les enveloppes rouges et blanches de Smoke Meat chez votre épicier. Il y a toujours de la vie à CKAC quand Joël Denis vous dit... Salut les copains! Oui, c'est Salut les copains avec Joël Denis. Et Pierre Baudouin. Aujourd'hui, des communiqués, la remise de vos disques, je la promets depuis déjà 3 jours. Pas aujourd'hui la remise. Oui, des alors aujourd'hui... C'est promis aujourd'hui? Oui, certains, promis. Certains, d'ici juré, la fin d'émission. Juré, d'accord. Promis. Alors, remise des... Et de la musique, des blagues, une entrevue avec Fabienne. Et voilà, pour bien démarrer avec Monsieur Aznavour, les bien. Comédiens. C'est parti, mon kiki. Hop. Eh bien oui, les copains. Eh bien maintenant, les copains, j'ai le plaisir de vous présenter une tête d'affiche chez nos artistes canadiens. Une diseuse que nous allons interviewer en marge du gala du spectacle qui, incidemment, a lieu ce soir. Et cet artiste en sera la vedette. Eh bien, cette diseuse, vous l'avez reconnue par le disque qui vient de tourner. Il s'agit de Fabienne. Eh bien, bonjour, au nom des copains de CKC, bienvenue. Bon, eh bien, nous allons attaquer le vif du sujet en ce qui concerne le gala du spectacle de ce soir. Fabienne, si vous nous parliez du tour de chant que vous présentez, ce soir au gala du spectacle. Ben voilà. Maintenant, côté musical et côté chanson, Fabienne, où vont vos préférences? Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans une chanson? Le côté texte, le côté musical? Excusez-moi, Fabienne, mais si nous restons sur le plan canadien en ce qui concerne la chanson, croyez-vous qu'il existe un nombre suffisant de chansons, de chansonniers pour vous permettre de renouveler fréquemment votre tour de chant? Alors, vous pouvez renouveler un tour de chant assez fréquemment en vous servant de ces chansons d'auteurs canadiens, de ces chansons canadiennes. Oui, mais comme je vous ai dit... Maintenant, j'ai une question peut-être un peu embêtante à vous poser, Fabienne. Ah. Est-ce que vous imposez toujours le choix de vos chansons au public ou si quelquefois vous faites des concessions à ce public? C'est un énorme problème. Eh bien voilà, Fabienne, moi je vous dis le mot de Cambronne pour ce soir et je suis persuadé que le public au gala du spectacle vous attend. Je vais faire
entrée au bistrot, s'il vous plaît, en bas. S'il vous plaît, je voudrais parler à Patrick. Patrick! Allô, oui. Oui, est-ce que les singes en hiver pourraient jouer au 421 sans être dérangés par les petites chanteuses? Qu'as-tu des nouvelles? C'est difficile parce que Valentina est en train de se balader autour de la Terre et évidemment, ça occupe les journalistes. Oh, écoute! As-tu eu des nouvelles? As-tu rejoint Jean-Luc d'abord? Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? Bon, alors, d'accord. Tu sais quelle est la morale intelligente? Vivre sa vie. Bon, alors écoute, je vais préparer mes bagages, tout ça, je retire la place et puis... je te vois ce soir, hein. Ma chère Fabienne, je t'embrasse. Salut. Le dis, s'il vous plaît. Excusez-moi si j'ai fumé. Bien t'aille. Hey! J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. J'adore le cinéma! Fabienne, vous chantez déjà depuis quelques années. Vous chantez ensemble pour vous ou pour un public? Ah ben non, moi je suis un genre de chanteuse et je veux dire, je choisis en fonction de moi et en espérant que qu'automatiquement, disons, ça corresponde au plus grand public possible. Oui, vous êtes un genre de chanteuse. Mais je ne suis pas une fantaisiste, je ne suis pas une chanteuse de charme, je suis une chanteuse... Disons... Quoi? Parce que... Moi, je me demande vraiment si moi, j'irais m'entendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est pas mon problème. Moi, je chante. Oui, mais si... C'est d'abord... pardon, à l'avance, c'est un public relativement, puisque c'est le patron, qui m'engage. Oui, mais si le public, lui, alors, après, ne vous demande pas... Bah, vous avez raison. Au fond, j'étais très inquiète, mais je me demandais surtout si moi, je saurais les atteindre. Ça dépend jamais du public, ça dépend de soi. Si moi... Je serais prête. On a dit de vous que vous chantiez faux, c'est-à-dire que vous étiez l'une de celles qui chantaient faux avec le plus de justesse, un 16e. C'est vrai que tous les grands chanteurs chantent faux. De toute façon, moi, au fond, je m'entends pas. J'ai demandé des avis à des gens compétents, puis on m'a dit, au fond, c'est pas faux. C'est une espèce de qualité, de caractère de voix. Le reste, moi, au fond... Je fais toujours attention. Le reste, c'est par surcroît. Oui, mais c'est pas le public qui se plaint, vous savez, ce sont les interprètes. Ouais. Ben alors, vous avez plus rien à dire? Ben, j'allais me demander. C'est pas drôle. Oh, parce que vous avez pas toujours répondu à ma question, vous avez... Voyez-vous, l'obligeance de me casser mes chaussures. Au Canada et de rencontrer éventuellement après, disons, un an, toujours le même public. Et que le... Lui, il retrouve jamais la même chanteuse.
je me renouvelle sans arrêt. Oui, ça, je suis d'accord. Tous les sentiers du monde qui ne mènent à rien, révolus les empires chimériques et fragiles. J'ai perdu le soupir, je deviens immobile. Tu me dis ton nom, je te dis le mien. Peut-être demain, l'on se reverra au hasard. Oh. Bien. Ça a bien été ? Très, très. T'étais là ? Oui. Bon. Tu mérites un Jean-Luc Godard. Ah, c'est vrai, tu l'as trouvé ? Oui. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Hôtel Pennsylvania. À quelle heure est-il ? L'heure que tu y ailles. Oh, c'est formidable. Merci beaucoup, à bientôt. Le navire chavire et je perds la mémoire. L'alouette s'arrête et je meurs sans savoir. Nos deux têtes s'entêtent à tourner vivement. Le rideau bientôt glissera lentement. Tu me dis ton nom, je te dis le mien. Peut-être demain, l'on se reverra. Au hasard. Si vous voulez, on va passer par Upper Lachine puis le boulevard métropolitain, hein? Oui, d'accord, bah, vous savez, hein, c'est bon. Oui, prenez le plus court chemin. Très bien. Merci. Vous allez à quelle place comme ça, hein? Partant d'Arval, c'est pas trop indiscret, non? Non, non. Je prends une petite vacance, là, de 2 jours. Je m'en vais à New York. Des bons films, peut-être, des spectacles. C'est surtout ça que vous avez. Non, monsieur, je vais voir mon amoureux. Ah! Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu? Non. Vous devez connaître ça, l'amour, vous, monsieur? Oui, je suis marié. Vous seriez pas Fabienne, vous, par hasard? Ouais. C'est ça, oui? Oui. Partir.
passe ma vie à partir. Jean-Luc est parti. Bonjour, Jean-Luc. Chimériques et fragiles, j'ai perdu le soupir, je devais.